Bonjour à tous, c'est Missel Sprint. J'espère que vous allez bien, moi ça va au top. Je suis ravie de vous retrouver pour l'ouverture de ce display S6A, donc avec les Evoli. J'ai réussi à en avoir un, je suis trop contente. Franchement, il est superbe, on va s'ouvrir la première partie aujourd'hui. Je vous montre un peu les côtés. Bon là il est un peu abîmé, je suis dégoûtée, mais bon vu qu'on va l'ouvrir ça devrait aller. Là on a un petit Pikachu. Donc, coucou à Gentleman Pikachu. Bon allez, je décèle ça tout de suite. Voilà, je vous le remonte vite fait. Sans le plastique, c'est mieux. Bon, je vais prendre mon temps hein, aujourd'hui. Je l'ai payé un petit peu cher. Allez. Ça m'embêtait de l'ouvrir, mais bon. Donc ça se présente comme ça. Ouais, c'est là, c'est pris un petit choc. On va commencer par le côté droit. J'aurai aussi ce coffret avec les promos VMAX prochainement. Donc, je ne sais pas encore si je vais ouvrir ou pas là. Ça dépendra de la pioche. Donc je vous le montre quand même avant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tous les pré-ouvrir là avec une paire de ciseaux hors caméra, sinon ça va être beaucoup trop long. Alors je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. C'est ouvert. Je suis vraiment trop impatiente. Donc ça, c'est des cartes supplémentaires, mais bon, c'est pas foufou. Je sais plus trop à quoi ça sert. Sabrina avait expliqué, mais je me souviens plus. Bon, bref, c'est pas ce qui nous intéresse. Allez, c'est parti. On commence avec une traîneur, Miss Dibulle, Azumarill, Lampérois et bien une holographique Zoroark. Elle est super belle. Je remonte vite fait un booster. Ils sont vraiment magnifiques ces boosters, franchement. Très passable. C'est plus son nom, Demanta, Flabébé, superbe cette illustration. Et donc Manternelle, celle-là aussi elle est chouette. Pokéball, je sais même plus comment elle s'appelle celle-là. Voltorb. Ah, Gobou. Allez, superbe l'illustration. Des bisous Alice si tu passes par là. Évidemment, t'en auras une. T'inquiète pas. Zorua. Et on commence. Ça a l'air d'être jaune. Ah non. C'est Philali VMAX Full Art. Elle est superbe. Allez, première ultra.
encore une traîneur qui est assez jolie. Je sais pas ce que c'est. Oui, messire. Barpo. Motisma. Scarabrut. Et c'est la dernière. Ça va hyper vite. L'évolution de Grimalin. Kelorior. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, lui. Bon, cette famille-là, j'ai vraiment zappé les noms. Hein. Ouais, un peu de mal. Et l'évolution de Flabébé en Nolo. Assez sympa aussi. Hein. Je préfère la Zoroark. Oh, je ne sais même plus, ça y est. Le Pikachu. Donc, recoucou à Gentleman Pikachu. Allez, chouette ça là. Pandarbar. Et. Ah non, on n'y est pas encore. Je sais même plus. Et Chaz. En carte normale. Bon, peut-être qu'on l'aura en full art. Même si je vous cache pas que lui, j'ai pas très envie. Même s'il me le faudra quand même. Allez, encore une traîneur. Limagma. Chouette, Barpo et une holo Marchado. Ouais, pourquoi pas. Bon, ça va être le côté des holos. Allez, on veut du Evoli un petit peu là. Kangourex, j'aime bien. Blancoton, Voltorb, Misdibule, je crois il y a un truc, ouais. Là cette fois c'est jaune. Et Voltalivé. Coucou à Sabrina. Sympa. Hein. Ouais, ça va, il nous reste encore quelques boosters. Flobio. Limagma. Pikachu, Kelorior et une traîneur. Une traîneur assez jolie. C'est quoi ça? On a des ballons, on a des vêtements. Je vois pas quelle salle c'est ça. Bon, c'est tout. L'évolution de l'Imagma. Motisma. Ah, chouette. Le Evoli. Ça, c'est cool. Et derrière, il doit y avoir une holo. Le Entei en holo. Un très très bon booster. Je vais la protéger après.
Ouais, bah là, on a beaucoup de l'eau, ça me fait un peu peur. Bon, après, il reste encore le côté gauche, on verra. Hein. On se trouve tout est de ce côté-là. Donc, Flouette. Lui, je me remets vraiment pas. Démonta, Pandarbar et Milobellus de Sui qui est superbe. J'aime beaucoup cette carte. Allez, plus 4. Ça va tellement vite les ouvertures japonaises. La traîneur du début. Encore lui. Lampérois. Azumarill. Je crois qu'il y a un truc. Un Cénolo. C'est Angoliath de Kawaiyo. Donc ça là, il me l'a fallu absolument. Là, on reconnaît bien son style par rapport à une précédente ouverture française où j'avais je sais plus quel Pokémon, on voyait pas trop le coup de crayon, je trouve. Allez. Et bon, c'était l'effet holo qui avait caché un petit peu. Mince, j'ai honte, je sais plus son prénom. Dresseuse. Mince, je suis en train de zapper le nom de la sous-évolution de Pandarbar. Assez foncé l'illustration, mais j'aime bien. Il est en train de regarder le coucher du soleil au loin, là. Encore lui. Flabébé, celle-là j'aime beaucoup, c'est un coup de cœur. Je pense que Nico appréciera aussi. Persian. Et bah, c'est la dernière. Pas mal aussi celle-là. Allez, déjà plus de 2. Je pense qu'il y aura beaucoup de cartes à gauche. Enfin, du moins, j'espère. Parce que là, pour l'instant. Ah, je crois qu'il y en a une. Bon, allez, je passe. Marill. Jolie, j'aime beaucoup. Ah, Grimalin avec le clown, elle est vraiment sympa celle-là. Ouais, il y a un truc, je vois du noir. Je sais plus et on s'en fout. Allez, qu'est-ce qu'on a? C'est vert. Et on a fil à l'IV. Bon, j'espère que je vais pas me taper que des V par contre. Celle-là, elle est superbe. Je la préfère à la Voltali. Allez, le dernier booster pour cette ouverture. Pour les alternatives, j'aimerais trop la Noctali, hein, forcément. La Noctali, la Nymphali. Donc VMAX et la Mentali. Franchement, elle est super beau aussi, celle-là. Ah bon. On peut pas espérer avoir tout non plus. Allez, électrode. Oh, ça, je suis en train de bugger sur Soleil et Lune, moi, s'abuser. Zorua. Miaouss. Ça là aussi j'aime bien. Et on finit avec une traîneur. Une énergie, pardon. Bon, on a déjà eu 5 holos. J'espère qu'on n'en aura pas d'autres. Angoliath, Entei qui est trop beau. Marchado. Florge. Et Zoroark qui est trop trop belle aussi.
Le soleil arrive. On aura eu la petite Evoli avec Rayquaza derrière qui est magnifique. Le Volta Livé. Fil à Livé. J'aime beaucoup celle-là. Et fil à lit en VMAX. Voilà, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Je vous souhaite à tous de très bonnes pioches. Passez un bon week-end et je vous dis à bientôt. Salut !